la saison dernière. Oui, l'équipe n'est plus qu'à une division du meilleur niveau qu'elle n'a jamais atteint. Et le classico tant attendu qui démarre enfin entre Barcelone et Madrid. Avec autant de motivation sur les visages des joueurs du Real et du Barça. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Côté tactique, l'équipe a évolué en 4-5-1. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Benzema. Toni Kroos. Modric. Oh, ballon de but pour Karim Benzema. Oh là là, on a failli assister vraiment à l'ouverture du score en tout début de match. Ah ouais, on l'a senti un peu en panique, comme s'il était surpris d'avoir une si belle occasion d'entrée de jeu. La passe est interceptée. Suarez. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe. Il y a maintenant des classicos dans tous les championnats, hein, Pierre. Mais bon, le vrai classico, modèle déposé, le premier, bah, c'est celui-ci. Hein. Oui, un classico avec toujours beaucoup d'engagement, de spectacle et de buts aussi. Ça fait rarement 0-0 au Real Barça. Ouais, ça arrive, mais une fois tous les 15 ans, pas plus. Modric. Ah, le bon pressing chez l'adversaire qui permet de récupérer ce bon ballon. Oh, il fallait de sortir ce tacle. Isco. Il y a déjà une faute. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Oh, ballon de but pour Coutinho. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ah oui, ça c'est bien joué. Oh, c'est bien joué, il fallait le mettre celui-là. Ah, c'est la bonne décision, le bon geste, c'est la marque des grands. Les Blaugrana qui ont le ballon. Et il est bien anticipé, il l'a intercepté. C'est Barcelone. Comme institution en Catalogne, c'est presque l'équipe nationale, hein, le Barça. Enfin, oui, je comprends. Et faute, et coup franc bien placé. Ça passe à quelques centimètres du poteau. Ah, je crois bien que le gardien a été battu, hein. Dommage. Vous savez que les joueurs du Barça sont obligés dans leur contrat d'apprendre le catalan. Ça doit être pour ça que j'ai jamais signé au Barça. Coutinho. Ah oui, il reprend le ballon au tout dernier moment. Modric, interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le ballon est perdu. Isco. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Le ballon qui sort en corner. Attention, peut-être une occasion. Allez, dans la surface, le corps. Raphaël Varane. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Attention, il a du champ devant lui. Non, elle est interceptée, c'est le pas. Oh, le pénalty. Pénalty pour le Real Madrid, sifflé à l'instant par l'arbitre. On voit la faute sur cette intervention. C'est un coup franc à suivre. Ouais, faute, pas d'hésitation du côté de l'arbitre.
c'est raté, c'est pas possible. Comment il a fait? Ah, il lui a pris la balle. Karim Benzema, le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Ivan Rakitic. Coutinho. Et Messi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La frappe de Léo Messi. Bon, ce... Dembélé. Corner à qui? Suarez. Et on a dégagé pour écarter le danger. Cavaral. Luka Modric. Karim Benzema. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh là là, de justesse, il a repris le ballon. Merci. Lionel Messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu. Hein. De l'histoire à avoir remporté 5 ballons d'or quand même, capable de faire la différence à tout moment et surtout à tous les matchs. C'est un génie. Bon, c'est une balle d'égalisation. Un superbe geste défensif. Elle dégage ce ballon, on touche directement. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ouais, impeccable la récupération. Dembélé. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Kroos. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Suarez. Messi. Voilà, c'est chaud avec Messi. Ouais, but, but pour le Barça. Barcelone qui prend le large. Oh, ils sont bons les Catalans dans ce Classico. Ouais, par contre, le Real est un peu en dedans. J'attends quand même une réaction de leur part. On voit ce but au ralenti. Un capitaine qui a pris ses responsabilités. Ça fait 2-0, le début de débat. Modric. Modric. Il paye pas de mine, hein. Il ne ressemble pas grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas très grand, 1m74. Il n'est pas super beau gosse. Mais alors, quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ah, il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. Isco. Isco. C'est un milieu créatif, comme on les aime en Espagne, presque à l'ancienne. Il est polyvalent, il a beaucoup d'avantages sur le terrain. Et le break. Allez, les 22 acteurs de ce énième Classico qui reviennent des vestiaires après la mi-temps. Et pour l'instant, les débats sont complètement dominés par le FC Barcelone. Et si ça continue comme ça, je sens qu'on est parti pour un score fleuve. Messi. Oui, il est au contrôle. Oh, c'était pas un cadeau, hein, pourtant. Allez, Messi, il peut nous avoir. Attention, attention à Léo Messi. Oh, le gardien qui s'en sort. Oh, c'était pas évident. Il était bien sur ses appuis. Franchement, on peut le féliciter. Karim Benzema. Gareth Bale, du Real Madrid qui s'approche du but. Messi. Ousmane Dembélé. Voilà, passe complètement manqué. C'est cadeau. Messi. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Coutinho. Et il était en position de hors-jeu. Cavaral. Rafael Varane. Cristiano. On s'approche du but.
Et le gardien qui est sur ce ballon. Il va perdre le ballon sur ce dégagement. Gareth Bale. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Cross. Suarez. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Ah, un bon ballon d'attaque. Un coup franc pour le FC Barcelone. Bon, s'y attendait un peu, il va être remplacé. Match complètement raté pour lui. Je pense qu'il sera d'accord avec nous. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Sergio Busquets. Ah non, ballon perdu. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Jordi Alba. Sergio Busquets. Sergio Ramos. Kalinic. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ça, c'est un bon ballon. Benzema, attention à lui. Et faute contre le Real Madrid. Sergio Roberto. Ousmane Dembélé. Attention, il a du champ devant lui. La passe est interceptée. Attention, une certaine bonne occasion de but pour Suarez. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Ce sera une touche. C'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche. Modric. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Coutinho. Ouais, bien joué. Bien joué de la part de Coutinho. Voilà, c'est chaud avec Messi. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Cristiano Ronaldo. Ivan Rakitic. Encore un bon ballon. Léo Messi. Et le but, magnifique. Et regardez ce ballon qui va se loger. Et dans la lucarne, absolument dans la lucarne. Ah, les gardiens qui doivent s'incliner à nouveau. Et en plus, le pire, c'est qu'on a l'impression que ça ne s'arrange pas au fil des minutes. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Modric. On s'approche de la zone de vérité. Est-ce qu'il va centrer? Casemiro. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Avec un tir. Et le but! Ils doivent encore marquer beaucoup hein, pour revenir. Mais bon, elle est au fond. Et le but de Sergio Ramos. Un de plus, Pierre. Ah ouais. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il met autant de coups qu'il met de buts. Enfin, il met quand même un peu plus de coups quand même. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Bon, c'est un but de consolation. Oui, c'est vrai, le plan.
Oui, il y a faute hein, sur le joueur du Barça. Coup franc. Busquets. Messi. L'arbitre a laissé jouer. Avantage pour le Barça. Oui, il prend le meilleur sur son adversaire. Carvajal. Ça va être compliqué. Oh, il est tout près, la Suarez. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qu'il vient de nous faire. Super. Karim Benzema. Asensio. Ah, pas terrible, hein, l'engagement. Là, le drapeau qui s'est levé. Mais dommage, parce qu'il était seul. Busquets. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Lucas Vázquez avec pas grand monde hein, pour le gêner. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Le temps réglementaire est terminé, il y aura 3 minutes en plus. Cristiano Ronaldo. Benzema. Il repousse le tir. Busquets. Suarez. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Attention, une certaine bonne occasion de but pour Suarez. Luis Suarez, oh, but de Luis Suarez. On va revoir le but au ralenti avec ces très belles images et une belle combinaison. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. Hein. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Oh, ballon de but pour Coutinho! Messi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La frappe de Léo Messi. Oh, sur le poteau. Messi. Voilà, c'est chaud avec Messi. Encore un bon ballon. Léo Messi. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Avec un tir. Et le but. Il doit encore marquer beaucoup hein, pour revenir. Ça va être compliqué. Oh, il est tout près, la Suarez. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Attention, une certaine bonne occasion de but pour Suarez. Luis Suarez, oh, but de Luis Suarez.